السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اور مہاجرین اور انصار میں سے Et quant à ceux qui sont plus en avant parmi les croyants, les premiers émigrés et des Ansar, et ceux qui les ont suivis de façon excellente, Allah est satisfait d'eux, et ils sont satisfaits de lui, et il a préparé à leur intention des jardins sous lesquels coulent des rivières. Ils y demeureront éternellement, c'est là le triomphe suprême. Ce verset évoque les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ces compagnons qui s'étaient surpassés en excellence, ces compagnons qui avaient atteint les sommets de la spiritualité et qui avaient dépassé les autres dans leur foi et dans l'accomplissement des bonnes œuvres en accord aux préceptes divins. Ils avaient dépassé les autres dans ces domaines. Ses compagnons étaient du nombre des premiers croyants, et ils ont légué à leurs successeurs leurs exemples. Afin que les autres suivent leur exemple. Allah annonce dans ce verset que les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des exemples à suivre. Il annonce aussi qu'il est satisfait de l'état de leur foi et qu'il est aussi satisfait des actions excellentes qu'ils ont accomplies. Ses compagnons avaient d'ailleurs fait du plaisir divin l'objectif suprême de leur vie. En toute situation, ses compagnons ont fait preuve de gratitude à l'égard de Dieu. Ainsi donc,
ceux qui vont les prendre pour modèles et ceux qui vont excéder dans leur foi et qui vont excéder dans leur sincérité, leur fidélité et leurs bonnes œuvres, eh bien, ceux-là vont profiter des faveurs divines. Voilà l'assurance qu'offre Allah l'Exalté. D'ailleurs, Allah l'Exalté a informé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos du statut éminent de ses compagnons, en ajoutant que ses compagnons servent de direction à ceux qui vont les suivre. Dans ce hadith, Omar radiallahu anhu relate que j'ai entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclarer. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: je me suis enquis auprès d'Allah au sujet des différends entre mes compagnons, et Allah l'Exalté m'a révélé ceci. Ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à mes yeux, tes compagnons jouissent du même statut que les étoiles dans le ciel. Certaines de ces étoiles sont certes plus brillantes que d'autres, mais la lumière émane de chacune d'elles. Celui qui suivra n'importe lequel parmi tes compagnons sera, selon moi, guidé sur le droit chemin. Ainsi donc, auprès d'Allah, ces personnes seront bien guidées, ceux qui vont suivre les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon Omar radiallahu anhu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré: mes compagnons sont comme des étoiles. Ils vous guideront, vous tous, que vous suiviez celui-là ou un autre. Ceci est le statut qu'Allah l'Exalté a conféré à ses nobles compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chacun est pour nous une torche éclairant notre voie. Le Messie premier l'Islam explique ci-dessous qu'Allah était satisfait de ses compagnons et que ses compagnons eux-mêmes étaient satisfaits d'Allah. Le Messie premier l'Islam explique: les vertueux compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont montré dans la voie d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam une sincérité si grande qu'ils ont entendu cette voix radiallahu anhu wa radu anhum. Mériter le plaisir d'Allah et être satisfait de lui est sans nul doute un éminent statut. Les mots font défaut pour décrire les mérites et les excellences de ce statut. Il n'y a pas de mots pour décrire les excellences de ces nobles compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le Messie premier l'Islam déclare: l'on ne saurait par ses propres moyens être satisfait de Dieu. Ceci exige lui vouer une confiance aveugle, se confier entièrement à lui, lui obéir au doigt et à l'œil. Une fois que l'on atteint ce stade, l'on ne nourrit à l'égard de Dieu aucune doléance. Mériter le plaisir d'Allah dépend des excellences, de la sincérité, de la fidélité, d'une grande pureté et d'une obéissance indéfectible. Ainsi donc, l'on en déduit que les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, avaient parcouru toutes les étapes de la perception divine et de la voie menant à Dieu. Le Messie premier l'Islam nous conseille: purifiez vos cœurs et l'ami bienveillant sera content de vous. Voilà le conseil qu'il nous donne. Et ainsi vous serez vous aussi satisfait de lui. C'est-à-dire, n'émettez jamais aucune doléance à l'encontre de la personne de Dieu. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi: et poussez votre sincérité, votre véridicité et votre fidélité à leur apogée, afin que vous puissiez plaire à Allah l'Exalté. Purifiez-vous au plus haut point et faites preuve d'une obéissance indéfectible.
Ce faisant, vous allez attirer le plaisir d'Allah et vous serez satisfait de lui. Sur ce, Allah bénira et vos corps et vos paroles. Une fois que l'on atteint ce stade, c'est là que l'on profite des bénédictions divines. Ainsi donc, les compagnons sont nos références si nous souhaitons jouir de la proximité divine. Même si nous constatons des différends entre ces nobles compagnons, Allah nous les a présentés comme autant d'exemples à suivre, autant d'étoiles brillantes. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à leur propos et à propos de leur statut que « Ayez la crainte de Dieu au cœur quand vous évoquez mes compagnons. Évitez toute raillerie et tout sarcasme à leur propos. Celui qui les prend en affection le fait en raison de l'amour qu'il porte à mon sujet, et celui qui les détestera le fera en raison de la rancune qu'il nourrit à mon sujet. Celui qui les blesse me blesse moi, a déclaré le saint prophète paix soit sur lui, et celui qui m'a lésé lèse en fait Allah l'exalté. Celui qui a lésé Allah et qui s'est attiré son courroux sera certainement châtié par lui. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré « N'insultez pas mes nobles compagnons ». Nous voyons cela au sein de l'islam. Quand les différentes sectes s'attaquent les unes aux autres, en particulier les chiites qui insultent les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, le saint prophète nous demande de ne pas les insulter et de ne pas critiquer leurs actions. Le saint prophète paix soit sur lui a déclaré « Je jure par Dieu qui détient ma vie entre ses mains, même si vous offrez en aumône autant d'or que le mont Uhud, vous ne recevrez pas en récompense ce qu'ils ont reçu en dépensant autant de graines qu'ils pouvaient tenir dans les deux mains, ou même la moitié de cela. » Ses compagnons jouissaient donc d'un éminent statut. Ils nous servent de référence auxquelles nous devons nous conformer si nous souhaitons profiter du plaisir d'Allah. Il serait malséant de les critiquer ou de juger leur statut selon la norme que nous avons conçue de toute pièce. Le Messie premier des salams nous explique davantage le statut des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui en ces termes. Le Messie premier des salams déclare « Étudions en toute équité la fidélité démontrée à l'endroit de Dieu et de son envoyé par les compagnons de notre guide parfait, que les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ses compagnons ont été contraints à l'exil, ils ont été persécutés et âprement tourmentés, mais ils n'ont pas pour autant cessé d'avancer dans la sincérité et dans la fidélité. D'où venait pareil dévouement ? Ce dévouement avait pris naissance dans un amour sincère pour Dieu, amour dont les rayons baignaient leur cœur. Comparez le saint prophète, paix soit sur lui, à d'autres prophètes, vous ne trouverez nulle part ailleurs pareil exemple de détachement du monde et de sang versé avec bravoure pour la vérité, autant de vertus engendrées par les préceptes et les faits sanctifiants du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Tel est le statut des compagnons du saint prophète paix soit sur lui. Le Coran décrit en deux phrases l'amour réciproque qui existait entre eux. Le saint Coran déclare « Wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ard jami'a ma allafta bayna qulubihim » C'est-à-dire que tu n'aurais pas pu unir leur cœur dans l'affection même si tu avais offert une montagne d'or. La communauté du Messie, cette communauté qui a été nouvellement formée, doit engendrer en elle les qualités des compagnons du prophète, ces qualités qui ont été décrites par le Saint-Coran. Le Messie premier de l'Islam s'adresse aux membres de sa communauté. Ressemblez-vous à ses compagnons, étant donné qu'Allah affirme que les suivants du Messie ressembleront aux compagnons du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui.
ses compagnons avaient offert dans la voie de la vérité leurs biens et leur patrie. Ils avaient tout abandonné. L'on a entendu à maintes reprises l'histoire d'Abou Bakr le véridique. Il avait offert dans la voie de Dieu toutes ses possessions quand il avait reçu l'ordre de dépenser dans la voie d'Allah. Quand le saint prophète Mohammed B. lui lui a demandé ce qu'il avait laissé à la maison, il a répondu « J'y ai laissé Allah et son prophète B. lui ». Il était la veille un chef de la Mecque et le lendemain, il était un indigent. Abou Bakr était un des chefs de la Mecque. Et quand il a embrassé l'islam, il portait les habits d'un pauvre. Le Messie premier d'Islam déclare « Ces gens s'étaient offerts en martyr dans la voie de Dieu. Le paradis pour eux se trouvait à l'ombre de l'épée. Or, pareille rigueur n'est pas notre destinée, car il est dit que le Mahdi abolira la guerre. » Le Messie premier d'Islam décrit en ces termes le style de vie des compagnons du saint prophète, paix soit lui. Il déclare, croyez-vous que ces compagnons du saint prophète, paix soit lui, ont eu la victoire sur les mécréants en se vautrant dans l'aisance? Croyez-vous qu'ils se vautraient dans l'aisance pour avoir ensuite la victoire sur les mécréants? Certainement non. Les anciennes écritures prédisent à leur propos qu'ils veilleront la nuit en prière et qu'ils jeûneront durant la journée. Le verset suivant du Saint-Coran brosse tout le tableau de leur vie en ces termes. Il est dit « Wa min ribatul khayri turhibuna bihi adu wallahi wa adu wakum » Ensuite, il est dit « Ya ayyuhalladhina amunusbiru wa swabiru wa rabitu » et préparez contre eux à la frontière des chevaux afin que vous puissiez, par l'épouvante, dissuader l'ennemi d'Allah et votre ennemi. Ô vous qui croyez, soyez constants et efforcez-vous d'exceller en constance. » Le Messie premier d'Islam explique « Que signifie ribat ?» Ribat s'applique à ces chevaux placés à la frontière pour dissuader l'ennemi. Les compagnons du saint prophète avaient reçu l'ordre d'être prêts à combattre l'ennemi. Le terme ribat exigeait qu'ils soient constamment sur le qui-vive. Ils avaient deux missions, mener le combat physique et mener le combat spirituel. Se tenir constamment sur le qui-vive est essentiel pour le combat spirituel. Ribat, selon le dictionnaire, dit le Messie premier d'Islam, ribat signifie aussi l'âme et le cœur de l'homme. Il est évident qu'un cheval n'est utile qu'une fois domestiqué et entraîné. Les chevaux d'aujourd'hui sont de même apprivoisés et formés, à l'instar des enfants éduqués à grands soins à l'école. Sans entraîner ces chevaux, on ne pourra pas les domestiquer. Ces chevaux serviront à rien, et au lieu d'être utiles, ils seront effrayants et dangereux. De même, il est essentiel d'apprivoiser l'âme. Il faut le maîtriser et l'entraîner. Il est important de l'éduquer et de la former. Ainsi, l'état de ribat perdurera lorsque le croyant tentera de progresser intellectuellement et dans la pratique, et lorsqu'il va aussi atteler son âme. Je présente ici-bas quelques exemples de l'effet sanctifiant que le saint prophète, paix soit sur lui, a eu sur les compagnons. Le Messie premier d'Islam avait relaté plus haut que Abou Bakr as-Siddiq avait offert tout ce qu'il possédait dans un moment de besoin. Il avait offert tout ce qu'il possédait lorsque cela fut nécessaire pour servir la religion. Voici un exemple de son humilité et de sa crainte d'Allah l'exalter.
Un désaccord éclata un jour entre Abu Bakr radhiyallahu anhu et Umar radhiyallahu anhu. La discussion s'envenima et leurs voix s'élevèrent. Par la suite, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu se rendit chez Umar radhiyallahu anhu pour s'excuser auprès de lui pour les propos durs qu'il avait peut-être utilisés lors de la conversation. Cependant, Omar, quant à lui, n'accepta pas ses excuses. Abu Bakr as-Siddiq se rendit chez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter toute l'affaire. Et Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a présenté au saint prophète paix soit sur lui ses excuses. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui a répondu qu'Allah te pardonnera. Quelque temps après, Omar, qu'Allah soit content de lui, fut pris de remords et il comprit qu'il avait commis là une erreur et il se rendit chez Abu Bakr pour s'en excuser. Là-bas, il ne le trouva pas chez lui. C'est ainsi qu'il se rendit chez le saint prophète paix soit sur lui. Et le visage du saint prophète paix soit sur lui s'empourpra de colère lorsqu'il le vit. Constatant que le saint prophète paix soit sur lui était en colère contre Omar, eh bien, Abu Bakr radhiyallahu anhu se mit sur ses genoux et il plaida. Il déclara au prophète d'Allah, j'étais fautif, veuillez pardonner Omar. Telle était l'humilité d'Abu Bakr, telle était sa crainte d'Allah. Omar radhiyallahu anhu était lui aussi embarrassé et il s'est excusé. Il y avait des remords de part et d'autre. Telle était la société pure qu'avait engendrée le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui y résidaient s'étaient attirés le plaisir d'Allah l'exalté. L'on trouve mention de l'humilité de Omar radhiyallahu anhu dans le récit suivant. Quelqu'un lui dit qu'il était meilleur qu'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Omar, en entendant cela, a commencé à pleurer et il a déclaré « Je jure par Dieu, une nuit et une journée dans la vie d'Abu Bakr sont meilleures que la vie entière de Omar et de tous ses enfants. Veux-tu que je te décris cette nuit et ce jour ?» L'autre a répondu « Oui, dites-le-moi. » Et Omar radhiyallahu anhu a expliqué « Une de ces nuits fut quand le saint prophète Mohammed peace be upon him était contraint à l'exil et quand Abu Bakr l'accompagna lors de ce voyage. » Et un de ces jours fut quand, après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, les Arabes refusèrent d'accomplir la salat et de payer la zakat. Contre mon avis, Abu Bakr décida de mener le djihad contre ces personnes. Et en l'accordant du succès, Allah prouva qu'il avait raison. Othman radhiyallahu anhu était un autre illustre compagnon du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il fut élu troisième calife. Il avait un très grand respect des liens de parenté et il possédait d'innombrables autres qualités. Selon Aïcha radhiyallahu anha, Othman radhiyallahu anhu respectait le plus les liens de parenté. Il était celui qui craignait Allah le plus. Ils étaient nombreux parmi ses compagnons à consentir à de grands sacrifices financiers. Vint le jour où l'on devait agrandir la mosquée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et le saint prophète demanda qu'on achète les maisons des alentours afin de les inclure dans l'édifice cultuel. Évidemment, il avait fallu acheter ces maisons et Othman radhiyallahu anhu déboursa sur le champ 15 000 dirhams. Il a offert cette somme pour acheter ses maisons. Ensuite, quand les musulmans faisaient face à une pénurie d'eau, quand ils ne pouvaient pas s'approvisionner d'un puits qui appartenait à un juif,
Othman, qu'Allah soit content de lui, a acheté au prix demandé par le juif ce puits afin que les musulmans puissent en consommer l'eau. Telle était sa sympathie à l'égard de l'humanité. Il y a ensuite des récits concernant Ali radhiyallahu anhu. L'amir Muawiya voulut qu'un individu lui décrive les qualités de Sayyidina Ali. La personne demanda à Muawiya s'il était prêt à l'écouter, et ce dernier lui donna son accord. Comme on le sait déjà, il avait un conflit entre Ali et Muawiya. Sache, dit-il, qu'Ali était d'une très grande persévérance et d'une très grande détermination. Il énonçait des paroles décisives et il était juste dans ses décisions. Il était une source de savoir et la sagesse émanait de sa personne. Il n'avait aucun intérêt pour ce monde et son faste, et il chérissait la solitude de la nuit. C'est-à-dire qu'il aimait rendre culte à Dieu la nuit. C'était la chose qu'il aimait le plus, au lieu de s'empêtrer en ce bas monde. Le rapporteur a déclaré, il pleurait beaucoup et il méditait longuement. Il menait une vie très simple comme nous. Le rapporteur rajoute, je jure par Dieu, nous aimions Ali et nous étions proches de lui. Mais en raison du respect qu'il nous inspirait, nous avions peur de nous adresser à lui. Il honorait les pratiquants et il était chaleureux à l'égard des pauvres. Il arrêtait sur le champ les puissants qui tentaient de profiter indûment d'une situation par avidité. Ainsi, dit-il, les faibles, quant à eux, ne désespéraient pas de sa justice. C'étaient là les qualités de Ali, qu'Allah soit content de lui. En entendant tout cela, l'amir Muawiya a déclaré « Tu dis la vérité ». Et il a commencé à pleurer. Abdurrahman bin Auf était un autre compagnon du saint prophète, paix soit sur lui. Il consentait à de très grands sacrifices financiers. Il était un riche négociant et il avait une grosse fortune. Un jour, quelqu'un qui faisait le tour de la Kaaba entendit quelqu'un prier en ces termes. « Ô mon Seigneur, protège-moi contre l'avarice de mon âme. » Il se rendit compte qu'il s'agissait en fait d'Abdurrahman bin Auf, le compagnon du saint prophète, paix soit sur lui. Un jour, une de ses caravanes commerciales s'arrêta à Médine. Elle comprenait 700 chameaux chargés de blé, de farine et d'autres marchandises. Il y avait grand bruit à Médine suite à l'arrivée de cette grande caravane. Ayant eu connaissance de cela, Aïcha radhiyallahu anha déclara que « J'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclarer qu'Abdurrahman bin Auf sera un des habitants du paradis. » Quand Abdurrahman a su à ce propos, il s'est présenté à Aïcha radhiyallahu anha et il a déclaré « Je vous prends à témoin que j'offre dans la voie de Dieu ces 700 chameaux portant leurs marchandises. » L'on peut comprendre le statut de ce compagnon Abdurrahman bin Auf grâce à cet incident. Il eut un jour un différend entre Abdurrahman bin Auf et Khalid. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui dit à Khalid, « Cher Khalid, ne critique pas mes compagnons. » Même si l'on dépense autant d'or équivalent au mont Uhud, l'on ne vivra pas une journée ou un soir qu'a vécu Abdurrahman bin Auf suite au djihad qu'il a mené dans la voie d'Allah. Saad bin Waqqas était un autre compagnon du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il relate en ces termes sa conversion. Il dit « Ma mère a désapprouvé ma conversion à l'islam. Il m'a dit « Abandonne cette religion, sinon je ne mangerai pas et je ne boirai rien jusqu'à ce que je meure. Je vais faire une grève de la faim,
a-t-elle dit, jusqu'à ce que je meure. Et les gens te condamneront pour avoir tué ta mère. Ils vont dire que tu as tué ta mère. Saad a déclaré, « Ne fais pas cela, car moi, je ne vais pas abandonner ma religion. » Mais elle a refusé et elle n'a rien mangé pendant 3 jours et 3 nuits. La faim l'avait affaiblie. Je lui ai dit, « Je jure par Dieu, même si vous aviez des milliers de vies et que vous perdiez chacune d'entre elles, je n'abandonnerai pas ma religion. » Quand elle a vu la détermination de son fils, elle a recommencé à manger. Allah nous enjoint d'obéir à nos parents et de les servir. Or, lorsqu'il est question de la foi et de la personne d'Allah l'exalté, il faudra en ce cas obéir à Allah. Saad bin Waqas a eu l'occasion de servir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et d'assurer sa sécurité. Aïcha radhiyallahu anha relate que lorsque le saint prophète paix soit sur lui est venu à Médine, la situation était très tendue durant ces jours. Et c'est pour cette raison que le saint prophète paix soit sur lui ne pouvait pas dormir à l'aise la nuit. Ayant passé plusieurs nuits blanches, un jour le saint prophète paix soit sur lui a déclaré, si seulement il avait quelqu'un pour assurer la sécurité. Le saint prophète paix soit sur lui souhaitait se prémunir de tout danger et de profiter du peu de repos qu'il s'accordait. Alors qu'il énonçait ses propos, il a entendu des bruits d'armes. Qui va là? A demandé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Saad a répondu que c'était lui et qu'il venait assurer la protection du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a dit que « Je vous croyais en danger, c'est pour cette raison que je suis venu assurer votre protection. » Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a pu dormir à l'aise la nuit et a prié pour lui. Zubay bin al-Awwab était un autre compagnon du saint prophète paix soit sur lui. Il éprouvait pour Dieu une très grande crainte, de peur de commettre quelque action qui allait attirer le déplaisir de Dieu. Son fils lui a demandé un jour pourquoi il ne relatait pas autant d'hadiths que les autres compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Zubayr bin al-Awwam a déclaré, « Je ne me suis pas séparé du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, depuis que j'ai embrassé l'islam. J'ai entendu beaucoup de paroles de sa bouche, mais je crains aussi cet avertissement de sa part. » Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait émis cet avertissement. Il a dit que celui qui attribuera une parole que je n'ai pas énoncée finira en enfer. Zubair a déclaré, « J'ai grand peur de relater un propos que j'ai mal compris, un propos qui est erroné. » Zubair bin al-Awwam était aussi très brave. Quand le siège d'Alexandrie se rallongea, il tenta d'escalader le mur de la forteresse à l'aide d'une échelle. Ses compagnons ont tenté de le dissuader en disant que la peste sévissait à l'intérieur de la forteresse. Il a répondu, « Cela ne fait aucune différence, car nous sommes là pour percer, de toute façon. » Sur ce, il a franchi le mur de la place forte. Il était aussi très riche et offrait la majeure partie de ses biens en aumône dans la voie d'Allah. Talha bin Ubaydullah était un autre compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était lui aussi très riche et il dépensait aussi dans la voie d'Allah. Une fois, il a vendu un patrimoine coûtant 700 000 dirhams à Ousmane et a dépensé le reste de ses biens dans la voie d'Allah. L'hospitalité était également l'une de ses grandes qualités. Une fois, 3 personnes se présentèrent au saint prophète Mohammed paix soit sur lui après avoir accepté l'islam. C'étaient des personnes indigentes, et le saint prophète paix soit sur lui demanda à ses compagnons si l'un d'eux pouvait s'occuper de leur hospitalité. Talha accepta avec grande joie de le faire, et il emmena les 3 personnes chez lui, et les a logés chez lui
et s'est occupé d'eux jusqu'à en faire des membres permanents de sa famille et jusqu'à ce que la mort le sépara d'eux. Talha remplissait également très bien ses devoirs envers ses amis. Ka'b bin Malik Ansari avait été puni d'ostracisme en raison du fait qu'il n'avait pas participé à la bataille de Tabouk. Lorsque, par la suite, sur ordre de Dieu, le saint prophète paix soit sur lui annonça qu'il fut pardonné, eh bien, Ka'b bin Malik se présenta au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Talha courut passionnément afin de l'accueillir et il le félicita en lui serrant la main. Ka'b disait que personne n'était plus accueillant et chaleureux que Talha. L'une des femmes de Talha mentionne ses qualités. Son épouse raconte que Talha rentrait toujours avec le sourire à la maison. Lorsqu'il rentrait chez lui, il était toujours souriant, il travaillait beaucoup et il était très occupé, mais lorsqu'il rentrait, l'expression de son visage ne faisait pas peur aux membres de sa famille. Au contraire, il rentrait très souriant et il ressortait content. Il avait un comportement exemplaire avec les membres de sa famille et il était toujours heureux et il n'avait pas une certaine humeur chez lui et une autre à l'extérieur. Son épouse déclare, dès qu'on lui demandait quelque chose, il n'était pas avare. Si on lui demandait quelque chose, il la donnait aussitôt. Même lorsqu'on ne lui demandait pas, il donnait de lui-même sans attendre qu'on lui demande. Il était lui-même attentif aux besoins de son entourage et essayait de subvenir aux besoins de sa famille. Il avait 4 épouses et ses 4 épouses étaient heureuses. L'une de ses épouses ajoute, « Lorsque nous faisions une action pieuse, il était reconnaissant, et lorsque nous commettions une erreur, il nous pardonnait. » Ce sont ces principes qui fondent la base de la sérénité du foyer et qui renforcent la relation entre le mari et la femme. C'est également un exemple que nous devrons suivre. Il y a un récit à propos d'un autre compagnon, un compagnon qui s'appelle Abdullah bin Masoud, en rapport à son obéissance envers le Khalifa. Omar l'avait nommé comme responsable de l'éducation du peuple de Koufa. Omar écrivit aux habitants de Koufa que bien qu'il avait grand besoin d'Abdullah à Médine, il entreprenait ce sacrifice pour leur éducation. Tel était le statut d'Abdullah bin Masoud. Et Othman avait également respecté son statut. Il l'avait nommé amir de Koufa, juge et gestionnaire de la trésorerie de l'État. Mais des tensions commençaient à se faire ressentir et les gens de Koufa ourdissaient des complots et cela a engendré des troubles. C'est pour cette raison que Othman l'a retiré de ses fonctions d'amir et l'a rappelé à Médine. Mais les gens de Koufa lui ont demandé de ne pas partir et qu'ils allaient assurer sa protection. Mais Abdullah bin Masoud leur a dit « Je suis dans l'obligation d'obéir au calife et je ne peux même pas penser à lui désobéir et ainsi ouvrir la porte du désordre. » Ainsi, il est retourné à Médine. L'un des rapporteurs de Hadith a déclaré que j'ai participé à de nombreuses assemblées des compagnons, mais Abdullah bin Masoud était particulièrement détaché de ce monde et attaché à l'au-delà. Il appréciait la propreté, malgré le fait qu'il n'était pas matérialiste. Un de ses employés a déclaré que Abdullah portait de beaux vêtements blancs et il utilisait de bons parfums. Talha a déclaré à son sujet « Son parfum sentait tellement bon que même dans l'obscurité de la nuit, on pouvait savoir que c'est Abdullah bin Masoud qui passait par là. » Ainsi donc, il utilisait les biens de ce monde, mais il n'y était pas attaché. Il y a ensuite Bilal qui a supporté tous les tourments. Mais en dépit de cela, il a toujours chanté la gloire de l'unicité de Dieu. Il a été traîné sur les pierres et le sable brûlant, mais il était ferme dans sa foi et il a toujours crié « Ahad, Ahad »,
l'unique, et il a toujours énoncé la proclamation « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Saad bin Muaz était un Ansari. Il était le représentant des Ansars et, avant la bataille de Badr, étant à la hauteur des attentes du Saint-Prophète Mohammed peace be upon lui envers les Ansars, Saad a déclaré au Prophète d'Allah « Nous vous avons accepté, nous avons cru en vous, nous avons attesté de votre véridicité, nous avons témoigné que les enseignements que vous avez apportés sont vrais. » Et nous avons promis fermement de toujours obéir suite à vos commandements. Ô prophète de Dieu, continuez conformément à votre souhait. Inch'Allah, vous allez voir que nous serons toujours à vos côtés. Si vous nous commandez de sauter dans la mer, nous allons le faire. Et personne parmi nous ne restera en arrière. Nous n'avons pas peur du combat. Nous savons très bien nous battre. Et nous espérons de tout cœur qu'Allah l'exalté vous montrera par nos actions, tout ce qui apaisera votre cœur. Ainsi, vous pouvez nous emmener là où vous le souhaitez. Ces personnes ont rempli leurs promesses et ont laissé leurs exemples, et Allah a été satisfait d'eux. Je vous ai présenté quelques récits de ces compagnons, l'histoire en regorge. Ils sont pour nous des références à suivre. Le Messie promet l'Islam déclare « Il est impossible d'obtenir le succès en abandonnant le Coran. Le succès derrière lequel courent ces gens est imaginaire. » Regardez les exemples des compagnons. Ils ont suivi les pas du prophète de Dieu et ils ont donné préséance à leur foi sur le monde et en retour, Allah l'exalté a accompli toutes les promesses qu'il avait faites en leur faveur. Au commencement, leurs opposants leur riaient au nez en leur disant qu'ils proclamaient la royauté alors qu'ils ne pouvaient même pas sortir librement. Mais en se perdant totalement de l'obéissance du Saint-Prophète, paix soit sur lui, ils ont obtenu ce qu'ils n'auraient jamais pu obtenir pendant des siècles. Ils aimaient le Coran et le Saint-Prophète et ils passaient leur nuit et leur jour dans l'obéissance à l'égard du Coran et du Prophète. Ils n'obéissaient pas à ceux qu'ils considéraient comme des mécréants. Ils n'obéissaient pas aux mécréants, c'est-à-dire lorsqu'ils ont eu la foi, ils ont abandonné toute action que commettaient les mécréants et ils ont commencé à suivre exclusivement les enseignements de l'islam. Le Messie promet l'islam déclare « Tant que l'islam est resté dans cet état, il était dans son âge d'or ». L'islam n'a cessé de progresser lorsqu'ils ont agi ainsi. Évoquant les excellences des compagnons, le Messie promet l'islam déclare « Les compagnons du Saint-Prophète, paix soit sur lui, lui étaient tellement fidèles qu'on ne trouve pas pareil exemple chez les disciples des autres prophètes. Ces compagnons suivaient si fermement les commandements de Dieu que le Saint-Coran regorge de leur éloge. » Lorsque le commandement interdisant l'alcool fut révélé, ils ont vidé leurs jarres de vin dans les rues. Et on rapporte que des ruisseaux de vin coulaient dans les rues de Médine, et par la suite, personne d'entre eux n'a consommé de nouveau le vin. Une fois abandonnés, ils n'ont plus touché au vin, et ils sont devenus son ennemi acharné. Le Messie promet l'Islam déclare « Voyez leur détermination et leur constance dans l'obéissance. Personne d'autre n'a prouvé à l'égard de leur prophète cette obéissance, cette fidélité, cet amour et cette affection qu'ils ont démontré à l'égard du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. » L'histoire de Moïse nous apprend que sa communauté a voulu à maintes reprises le lapider. Les apôtres de Jésus étaient si faibles dans leur foi que selon les chrétiens, Jésus lui-même affirme dans les évangiles que ses apôtres avaient une foi moribonde. Ils ont fait preuve d'une grande traîtrise à l'égard de leur maître. Ils lui ont été infidèles et l'ont abandonné au comble du malheur. L'un l'a fait arrêter et le deuxième l'a maudit et l'a répudié. Or, les compagnons du Saint-Prophète, paix soit sur lui, nourrissaient à son égard une grande affection et une grande fidélité. Dieu a témoigné qu'ils n'ont pas hésité à sacrifier leur vie dans sa voie
et qu'ils possédaient chaque vertu de la foi. Ils étaient des adorateurs de Dieu, des vertueux, des braves, des généreux, des dévoués serviteurs, autant de conditions de la foi que nous ne voyons pas chez d'autres peuples. Le Messie promis l'Islam affirme « L'on ne trouve pas chez les autres nations les récits des malheurs et des souffrances endurées par les compagnons au début de l'histoire de l'Islam. Cette nation brave a enduré les malheurs sans abandonner pour autant l'Islam. Lorsque cette persécution a atteint son comble, ils ont dû abandonner leur patrie et s'exiler en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lorsque, aux yeux d'Allah, les méchancetés des mécréants avaient outrepassé les limites et qu'ils méritaient d'être châtiés, Allah a confié cette mission à ses mêmes compagnons, afin qu'ils les punissent. Eux qui se consacraient matin et soir au culte de Dieu dans les mosquées, eux qui étaient peu nombreux et sans armes, sont descendus sur le champ de bataille afin d'arrêter les assauts ennemis. Ces batailles de l'islam étaient d'ailleurs défensives. Le Messie premier al-Salam déclare « Étudiez l'époque du saint prophète Mohammed B.S. lui et de ses compagnons, qu'Allah soit content d'eux. Étudiez leur époque et vous constaterez qu'ils étaient des gens fort simples. » À l'instar de ce récipient qu'on astiquait et que l'on blanchissait le fond, leur cœur était exempt des immondices de l'âme et leur cœur béni des lumières divines. Ils étaient les reflets parfaits de l'énoncé coranique « Qad aflaha man zakkaha ». Si l'on se purifie et que l'on brille à l'instar de ce récipient dont l'intérieur a été astiqué et blanchi, l'on pourra recevoir les saints aliments des faveurs divines. Or, combien sont-ils ainsi et à qui s'applique l'énoncé « Qad aflaha man zakkaha » Ainsi donc, nous devrons tenter de nous réformer et d'astiquer nos récipients. Ayant accepté le Messie promis l'Islam, cet amour parfait du saint prophète Mohammed B.S. soit lui. Étant donné que nous avons accepté le Messie promis l'Islam, il faudra tenter de suivre tous les conseils qu'il nous a prodigués, tous ces conseils qu'a démontré le saint prophète Mohammed B.S. soit lui par sa pratique, ces conseils que les compagnons ont aussi démontrés dans la pratique. Nous serons de véritables musulmans en respectant ces conditions, qu'Allah nous en accorde la possibilité. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ